est découpé. Il est découpé, on le pompe avec une saumure qu'on fait à base de sel nitrité pour qu'il soit pompé partout, c'est-à-dire qu'il soit salé partout, sur toute les surfaces. Donc on le pique avec une sonde et on appuie, on le pompe là et on revient doucement pour saler partout. On essaie de saler tout, surtout autour de l'os. On le refait tremper, ce qu'on appelle dans notre salure, dans notre saumure, pendant 48 heures. Je suis en train de faire briser mon jambon à l'os, sur toutes ses faces, au feu de bois. Et dès qu'il est bien brisé au feu de bois, je vais pouvoir le faire cuire dans un bouillon. Ce qui est très important, c'est surtout qu'il ne prenne pas feu. La coigne ne prenne pas feu. Enfin bon, une bonne braise, on retourne de temps en temps. Voilà. Il donne un beau jambon comme ça, bien braisé, avec une coigne croustillante. Tout se passe. Allez, opération cuisson du jambon. Pendant 17 heures à 72 degrés. On essaie de tout déplacer. Voilà, on essaie de les ranger dans la marmite pour mettre les 4 jambons. Jusqu'à demain matin, on va les sonder à partir de 15 heures de cuisson. De 15 heures de cuisson pour qu'on soit à 68 à cœur. Quand c'est à 68 à cœur, le jambon il est prêt.